Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est docteur en droit public et chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est un homme qui connaît bien le marigot politique de la République démocratique du Congo, son pays d'origine. Martin Moulumba, bonsoir. Bonsoir, Ahmed Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous faire venir dans cette émission au début de cette nouvelle saison 2019-2020 parce que ces derniers temps, vous êtes beaucoup sollicité par les médias ici en France, notamment pour vous prononcer sur la vie politique dans votre pays, la République démocratique du Congo. Et quand l'on observe vos interventions, j'ai fini par me dire, cet activisme médiatique d'un coup de Martin Moulumba cache quelque chose. Qu'est-ce que vous nous cachez? Il n'y a aucun activisme politique dans les médias. Oui. Comme vous le savez, j'ai fait une thèse sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. Oui. Une thèse tenue à la Sorbonne. Oui. Et j'ai aussi une spécialité en administration des élections et bonne gouvernance. Depuis la fin de l'année 2018, oui, début 2019, la RDC vit une actualité qui est une passation pacifique du pouvoir depuis l'indépendance. Donc je suis invité comme expert sur cette question d'actualité. Donc vous dites que c'est une question de légitimité parce que c'est votre domaine. Effectivement, j'ai fait une thèse sur la conception de la fonction présidentielle. Depuis que le nouveau président Félix Tshisekedi est au pouvoir, la question qui se pose, comment il conçoit et exerce sa fonction, son pouvoir. Donc, je suis invité pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe en RDC. Très bien, vous allez nous éclairer ce soir justement parce qu'il y a tellement de questions que nous nous posons sur ce président complètement atypique, arrivé au pouvoir dans des conditions incroyables, et quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément. Il va mettre quoi, 6 mois pour nommer un gouvernement. Et c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays en fait? Il faut rappeler que depuis l'indépendance, oui, le Congo-Kinshasa n'a connu aucune passation pacifique du pouvoir. Le pouvoir était conquis toujours par la force, et qu'on a eu un premier président en 60 qui était désigné par les deux chambres du Parlement, Joseph Kasavubu, qui a été écarté du pouvoir par les coups d'État de Mobutu. Mobutu lui-même a été chassé par la révolution armée de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a été assassiné, ce qui a permis à Joseph Kabila, son fils, d'hériter la fonction présidentielle, alors que le Congo est une république. Là, ça apparaît comme atypique. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Il y a eu une élection pluraliste. Oui. Avant l'élection, à 2 jours de l'élection, il y avait des favoris. Il y avait Tshisekedi, il y avait Fayulu. Alors, si Tshisekedi gagnait ou Fayulu, ce n'était pas une surprise. On voyait qu'il y avait des favoris. Après, la commission électorale a proclamé Tshisekedi vainqueur, oui, et la Cour constitutionnelle a confirmé cette élection. Donc, c'est pour la première fois que le Congo connaît une passation pacifique du pouvoir. Et je me dis que les intellectuels de votre pays, vous avez fini par vous résoudre à une idée simple, vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. Vous vous dites, comme il n'y a pas eu d'effusion de sang, quel que soit ce qui s'est passé, la contestation de Fayulu, les suspicions qui peuvent être sur le président, le nouveau président Félix Tshisekedi, allons de l'avant. Est-ce que j'ai bien résumé? Je ne dirais pas les choses comme ça. On a vu qu'après les élections, on n'a, oui, pas vu beaucoup de gens pour contester sur les rues de Kinshasa ou partout dans le pays. Le peuple a reconnu cette victoire de Tshisekedi. Ce n'est pas une question d'intellectuels qui disent que non, non, on tourne la page. Non, oui, c'est une question du peuple congolais. Oui. Le peuple a reconnu cette victoire. Alors, dans une démocratie, il n'y a pas l'unanimité. Il y a la majorité. Donc, et ce qui s'est passé. Donc, Félix Tshisekedi est un président légitime. Proclamé par la commission électorale indépendante, oui, confirmé par la Cour constitutionnelle, juridiquement, Tshisekedi est légitime. Il est président légitime de la République démocratique du Congo. Très bien. Je voulais vous faire venir dans cette émission parce qu'il y a eu donc la formation de ce nouveau gouvernement. Et encore une fois, on a trouvé des curiosités incroyables. D'abord, ce Premier ministre qui vient d'une société publique qui est en faillite totale, mais qui va être nommé à la tête du gouvernement. Il y a débat, on ne va pas refaire le débat.
débat là-dessus. J'ai lu d'ailleurs une de vos publications là-dessus où vous dites il faut laisser le temps au temps pour voir ce qui va se passer avec ce Premier ministre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un Premier ministre de consensus dans votre pays, c'est ça ? Au terme de la Constitution congolaise, oui. Les chefs de l'État nomment les premiers ministres. Ils les nomment dans la majorité parlementaire. À ces élections de 2018, le FCC de Joseph Kabila a une majorité au Parlement. Et le FCC de Kabila, le Cash de Tshisekedi, ont fait une coalition. Il fallait trouver un consensus au niveau du Premier ministre. Oui. Ça a pris le temps que ça a pris. Et le nom de Ilunga Ilukamba a fait le consensus. C'est ainsi qu'il a été nommé comme Premier ministre. Et ça ne vous choque pas, vous ? Dans quel sens ça on peut choquer ? On aurait voulu peut-être un homme neuf sur la place. Et c'est un mobutiste, non ? Sa nomination répond à une logique politique qui a prévalu à l'idée de cette coalition. C'est quoi cette logique ? La logique qui a fait que l'FCC, qui a une majorité au sein du Parlement, oui. devrait proposer un nom. Il y a eu des noms qui ont été proposés, peut-être qui n'ont pas été acceptés par Tshisekedi. Et c'est le nom de Ilukamba, peut-être c'est un personnage qui fait consensus, qui n'est pas dans des polémiques, qui n'a pas de casserole, oui. qui a fait que son nom a fait consensus. Très bien. Ce gouvernement qu'il a proposé est validé par le président Tshisekedi. Donc, quelle est votre opinion sur ce gouvernement ? Le gouvernement qui est composé de 65 personnes, il y a 42, vous trouvez ça normal, il y a 42 qui viennent du FCC, oui. de Kabila, et 23 qui viennent du cash de Tshisekedi. Encore une fois, ça répond à une logique politique. Bon, on a dit que c'est un gouvernement où il y a beaucoup de gens. C'est vrai qu'on a besoin de la qualité, non pas de la quantité. Oui. Et les deux forces politiques qui composent la majorité ont trouvé qu'il fallait un gouvernement qui... Il y a autant aussi, de membres. Aussi pléthorique sur le budget d'un pays qui est déjà en difficulté financière. C'est vrai que ça pose problème, mais il a fallu répondre, satisfaire ceux qui ont combattu dans les deux camps, oui. ceux qui ont mis dans les deux camps, ce qui a fait que ce gouvernement a autant de membres que ce qu'on pouvait imaginer. Au fond, on se partage le gâteau RDC en ce moment entre Cash d'un côté et le FCC qui n'est véritablement pas parti du pouvoir. C'est ça. On a voulu faire la représentativité nationale au sein du gouvernement, oui. ce qui n'est pas chose facile. Vous savez que depuis quelques temps, la RDC n'a plus 11 provinces. Il y en a plus que 11 aujourd'hui. Oui. Maintenant, quand il faut répondre à satisfaire toutes les provinces, ce qui fait qu'on a ce gouvernement qui est pléthorique. Vous parlez de satisfaire toutes les provinces, mais quand on regarde bien à l'intérieur, l'équilibre régional qu'on connaissait, le savant dosage qu'on connaissait dans la composition des gouvernements, d'ailleurs ce n'est pas spécifique à votre pays, mais en Afrique en général, quand on regarde ce gouvernement, est-ce que ce déséquilibre qu'on peut constater aujourd'hui régional et d'origine des ministres peut être un problème pour le président de la République ? Comme vous le savez, en RDC, le président de la République définit en concertation avec le gouvernement oui. la politique du gouvernement. C'est lui qui convoque et préside le Conseil des ministres. C'est lui qui donne des grandes orientations. Je ne pense pas que, comme il donne des grandes orientations, oui. que cela puisse poser des problèmes. Mais c'est un gouvernement qui est composé par deux camps. Oui. Ce sont des camps qui sont affrontés pour la conquête du pouvoir. Il y a une cohésion qu'il va falloir rechercher tout au long du quinquennat, entre les FCC et les Cash. Et cette cohésion dont vous parlez, c'est une vue de l'esprit, non ? De vous à moi. Parce qu'on a vu comment, quand il fallait nommer le Premier ministre, que les deux camps sont prudents et se méfient. Et aussi, quand il fallait former le gouvernement, on a vu que la coalition est fondée sur la prudence et la méfiance. Et là, il va falloir que tout au long de ce quinquennat, Kabila et Tshisekedi se parlent en permanence pour qu'il y ait une cohésion. J'ai l'impression que c'est 5 années de perdu pour votre pays. D'un côté, on a un président qui nous donne l'impression d'être l'otage de son prédécesseur, en fait, et qui n'a pas une vraie marge de manœuvre. Et il est juste à la tête de ce pays, il fait juste de la représentation, et qu'en réalité, le vrai pouvoir est dans les mains de l'ex-président Joseph Kabila. Est-ce que je me trompe ? Au jour d'aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est le chef de l'État. De nom ? Il est le président de la République. Le président de la République assure par son arbitrage le bon fonctionnement de
institutions et des services publics. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Kabila a besoin des garanties de Tshisekedi. Dans quel domaine? Et Tshisekedi a besoin du soutien, de l'appui de Kabila qui a une majorité au Parlement. Oui. Alors, il va y avoir une dépendance mutuelle. Mm. Kabila va dépendre de Tshisekedi, comme Tshisekedi va dépendre de la majorité de Kabila au sein du Parlement. Tout ça sur le dos des Congolais, en fait. Je ne pense pas que sur le dos des Congolais, c'est que le texte constitutionnel prévoit, mm-hmm. cette concertation, cette coalition est prévue dans la Constitution. Oui. Maintenant, il va falloir, tout au long du quinquennat, que les deux leaders, Tshisekedi du côté des Cash, enfin chef de l'État, mm. et Kabila, autorité morale du FCC, se parlent davantage. Parce mm. que. Pour se dire quoi, on voit qu'il se partager encore le gâteau RDC et continuer comme ça ou véritablement penser au développement de votre pays. Tshisekedi conçoit son pouvoir sur l'idéologie du peuple d'abord. Mm. Il met le peuple au centre de son action. Et quand le Premier ministre est passé devant le Parlement, oui. pour présenter son gouvernement, il oui. a dit que son programme matérialise la vision du chef de l'État. Où on doit mettre les intérêts du peuple avant toute chose. Oui. Alors vous comprenez par là que c'est la vision de Tshisekedi qui doit éclairer les quinquennats. Et Tshisekedi dont on parle, est-ce qu'il a une vraie marge de manœuvre pour appliquer sa politique? En ce moment, on entend parler de la gratuité des frais scolaires, par exemple, dans votre pays. Et il veut mettre une politique sociale en place. A-t-il les moyens de faire cette politique sociale dont il parle tant? Cette gratuité est prévue dans les textes constitutionnels. Mm-hmm. Alors, c'est lui qui essaye de le mettre en place pour la première fois. Oui. Parce que la Constitution a été votée, promulguée depuis 2006. Mm. Et on n'a jamais appliqué ça. Et quand il essaie de mettre ça en place, il y a des moyens qu'il va mobiliser. Oui. On a suivi comment le Premier ministre a présenté les programmes devant le Parlement. Et le mois prochain, il y aura une session budgétaire. Mm-hmm. C'est là qu'on verra quels sont les moyens qui seront mobilisés pour rendre praticable cette gratuité de l'enseignement. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes un homme, on va dire, confiant. Dans la politique du nouveau président. Vous vous dites, quoi que vous voyez devant vous, la réalité que vous voyez n'est pas la vérité du pouvoir. Est-ce que c'est votre pensée? Quand on regarde l'histoire politique de la République démocratique du Congo, oui. comment les différents présidents ont conçu, exercé leur pouvoir, oui. Tshisekedi nous dit que non, lui, sa conception du pouvoir, c'est le peuple. C'est ce qui nous renvoie à la définition de la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et s'il est vrai qu'il met en place les idées qu'il montre, il y a lieu d'avoir l'espoir. On ne peut pas, sans d'abord voir ce qu'il va faire, oui. commencer à douter. C'est vrai qu'il y a une crainte au niveau de la cohésion entre les deux alliés, oui. au niveau de la coalition, mais sa vision, sa conception du pouvoir, donner l'espoir. La question que je me posais, et on arrive pratiquement au terme de cet entretien, c'est que je me disais, les Congolais ont deux choix. Soit ils plient leurs genoux et ils prient pendant 5 ans pour que ces deux alliés qui gouvernent le pays ne se mettent pas à se tirer dessus, c'est-à-dire à avoir des problèmes, sinon votre pays va s'enfoncer. Ou soit ils poussent le président à se débarrasser de l'allié. Quel est le choix que vous ferez? Déjà, au terme de la Constitution, oui. la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir vient du peuple. Mm. Le peuple a les droits de regard. On va voir ce que Tshisekedi va faire du pouvoir qu'il a. Mm. Et à la fin de son quinquennat, le peuple va juger. Alors, on n'est pas là pour croiser les bras et simplement regarder. Oui. Mais il y a un regard où on doit juger ce qu'il va faire. À la fin du quinquennat, on se posera la question, est-ce que tout ce qu'il avait promis, est-ce qu'il l'a fait? Mm. C'est vrai qu'un président de la République ne peut pas tout faire. Mais il a promis de construire un état de droit. Mm. Il a promis de déboulonner les antivaleurs. Mm. Il a promis de faire l'état de droit une réalité. Mm. On va voir. Pour l'instant, il est sur le chemin. Le gouvernement a présenté les programmes. Oui. On attend que ces programmes soient appliqués pour voir est-ce que l'état de droit qu'il a promis est réellement construit, pour voir est-ce que le Congo devient réellement démocratique. Parce que je vous dis qu'au terme de la Constitution congolaise, oui. la RDC est définie comme
un état de droit et une démocratie. Sur le papier. Avant l'arrivée de Tshisekedi, cette démocratie et cet état de droit n'étaient qu'une théorie de façade. Parce que le pouvoir était exercé d'une manière autoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient une réalité? Comme il a promis qu'il va le faire une réalité, on attend les actes. Il n'a que 8 mois au pouvoir. Donc les mandats, c'est 5 ans. Oui. Il n'a que 8 mois. Vous trouvez que dans les médias ici en France, nous sommes impatients, c'est ça? Parfois, on juge trop, mais bon, c'est normal. On veut qu'il fasse les choses. Il doit le faire parce qu'il a promis. Mais on verra à la fin de son quinquennat. Qu'est-ce qu'il aura fait et qu'est-ce qu'il n'aura pas fait? Et qu'est-ce qu'on retiendra de son quinquennat? Et non pas des promesses... On accomplit. Très bien. Martin Moulumba, on arrive à la fin de cet entretien. J'avais juste une dernière question à vous poser très rapidement. Je sais que quand le président Kabila était au pouvoir, la diaspora congolaise était beaucoup plus dans l'opposition au président Kabila. Si aujourd'hui le président Tshisekedi venait à rapatrier ou à demander à la diaspora congolaise vivant un peu partout en Occident de rentrer pour l'aider à mettre en place cet état de droit, par exemple, dont on parle, est-ce que vous serez candidat à dire oui, j'y vais pour aller me mettre à la disposition de mon pays? Déjà, je voudrais préciser les choses. Oui. Cette question de la diaspora congolaise a toujours été mal présentée. Ah. La diaspora congolaise était contre le régime, la manière dont les choses étaient faites au Congo, la manière dont le pouvoir est exercé au Congo. Parce que souvent, quand on parle de diaspora, c'est comme si la diaspora était tellement contre que non. La manière dont le pouvoir était exercé au Congo. Aujourd'hui, qu'il y a des promesses que les choses vont changer, oui. Le chef de l'État a besoin de tout le monde, de tous les Congolais, oui. Pour construire les pays. Il n'y a pas forcément la diaspora d'un côté et les autres qui sont au pays, c'est tout le monde. Le peuple congolais est un. Il n'y a pas un peuple congolais qui est de l'intérieur, de la diaspora. On est congolais, on est congolais. Alors, ceux qui sont venus ici n'ont pas commis un crime. Il y a des raisons évidentes. Oui. Alors, si aujourd'hui on trouve que les choses marchent mieux, il n'y aura pas cette rupture qui a existé entre la diaspora et les gouvernants congolais. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous ne me dites pas si oui ou non, vous pourrez répondre à un appel du président Tshisekedi. Je ne connaîtrai jamais votre fond de pensée. Aujourd'hui, ma mission n'est pas tellement personnelle. Oui. Que non, qu'on m'invite, moi, ou qu'on... Nous voulons que le président de la République améliore les choses pour tous les Congolais. Ce n'est pas une question personnelle. Nous voulons que le Congo soit meilleur demain pour l'intérêt et pour les biens de tous les Congolais. Très bien. Martin Moulumba, merci. Docteur en droit public et chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci infiniment d'être venu donc dans l'entretien du jour en cette nouvelle saison, nous parler de la politique intérieure dans votre pays, la République démocratique du Congo. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau au fur et à mesure que la gouvernance du président Tshisekedi évoluera et surtout au fur et à mesure qu'il mettra en place tout ce qu'il a promis à votre peuple de la République démocratique du Congo. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro dans l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.